Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, moi ça va tranquillement. Bon, hier le prono du Real de Madrid est passé à une cote de 1,72. Bien écoutez, j'en suis très heureux pour ceux qui ont suivi. Coup de chapeau franchement à Yanis GTA Flex qui a encore frappé et qui nous avait dit de pronostiquer Souza face à Gasquet à 2,80 et c'est encore passé puisque la veille Souza avait joué contre Ivashka. Et là, Yanis nous avait dit que le Souza allait gagner encore à 2,80. Bravo, bravo, on aura besoin de toi pendant la période de Roland-Garros. Écoutez, là, je vais vous proposer trois rencontres de football pour ce soir, les amis, pour ce soir, avec, bien sûr, Marseille-Strasbourg. Marseille-Strasbourg, et là, pour moi, ça va être double chance et nombre de buts avec Marseille ou nul. Donc Marseille est nul et moins de 4,5 buts à une cote de 1,52. Ensuite, la seconde rencontre, c'est un Lens Monaco. Je pense que ça va marquer, hein, puisque c'est deux équipes assez offensives, surtout quand Lens est à domicile. Donc, but pour les deux équipes à 1,49. Et n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, c'est très important pour Tonton. Donc un petit schtroumpf, ça fait toujours plaisir. Et salutations aussi à Edir qui m'encourage à chaque fois que je fais des vidéos. Salut Edir. Ensuite, la troisième rencontre que je vais vous proposer, c'est Nantes qui va jouer ce soir. Et pour moi, ça va être Nantes plus 0,5 but. Donc, à une cote de 1,21. C'est-à-dire que si Nantes marque au moins un but, on prend la cote de 1,21, les amis. Bon, écoutez, je vous souhaite une très, très belle journée. Moi, je vais passer ma journée tranquille à la mer. Et je vous dis à tout de suite dans les commentaires. Et mettez vos pronos, les amis, parce que moi, je les regarde. Voilà. J'observe ce que vous faites. Ciao, ciao.